Bon, je suis pas content, pour changer. Bonne nouvelle par contre, aujourd'hui on va parler du dîner du CRIF. Youpi! La dernière édition en date, la 2016, celle qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce que le CRIF, pour ceux qui ne savent pas? C'est l'abréviation de Comité représentatif des institutions juives de France. Déjà, il y a un problème. Il est où le J? Il est où le J de juif? Parce que là, ça fait Comité représentatif des institutions de France. Alors, je sais que CRIF, c'est un peu compliqué à prononcer, mais faites gaffe! Soyez pas cons, donnez pas du grain à moudre aux antisémites de tous bords. Après, les mecs, ils vont dire « Ah bah oui, forcément, ils mettent pas le juif dedans, la France, c'est les juifs !» Vous êtes cons ou quoi? Allez-y mollo. Puis allez-y mollo sur le prix aussi, là. Combien ça nous a coûté, cette enfumade? 900 euros le couvert! C'était à qui, les couverts? C'était les couverts du roi Salomon? Qu'est-ce que... Y a la reine de Saba qui a fait un striptease à la fin, fallait payer le cachet? Hein, puis tout ça pour raconter n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils avaient foutu dans la bouffe. Bah alors le Gefeltefisch, il était pas frais. Ils ont tous pété une durée qu'ils nous ont raconté n'importe quoi. Roger Kuckermann, le président de ce truc-là, lui, il a déclaré qu'il voulait que l'état d'urgence s'applique sur Internet. C'est déjà le cas. Roger, c'est déjà le cas. On peut faire fermer des sites et les surveiller comme ça, si on veut. C'est, y a la surveillance Internet, elle existe. C'est l'autre truc que tu peux pas faire, par contre, c'est tout ce qui est le pan surveillance physique. Tu sais, les mecs que tu mets dans une Fiat Punto au croisement d'une rue pour surveiller les gens, ou les arrestations physiques, mais tu peux pas le faire. Tu peux pas mettre des gens dans l'Internet, Roger. C'est pas possible. L'autre, il est resté à l'air du Minitel, il comprend pas. Tu sais, c'est comme Jacouille la fripouille, quand il regarde la télévision, il pense qu'il y a vraiment des mecs dans la petite boîte, tu sais, qui gigotent. On ne peut pas mettre les gens dedans. On n'est pas dans Shadowrun, on n'est pas dans Tron. On peut pas envoyer des agents dans la matrice. Ça n'est pas une matrice. C'est Internet, en fait. Il faut que tu t'y mettes, hein, parce que là, ça commence à être grotesque. Puis ce qui est grotesque aussi à votre dîner, invitez pas des antisémites! Ils invitent des antisémites, ils leur font même prendre la parole! Il y a l'antisémitisme des beaux quartiers, et il y a aussi l'antisémitisme dans les quartiers populaires d'une jeunesse radicalisée. Et puis, il y a la haine d'Israël, il y a l'antisémitisme, et il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Ben oui, Manu! Moi, je vois bien que l'antisionisme soit l'antisémitisme, que ce soit la même chose. Ben à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? En 2008? Mais si! Tu sais, quand t'allais nous planter un petit olivier, là, pour aller gratter des voix chez les pro-palestiniens et que tu nous parlais d'Israël, t'étais pas très tendre, hein? L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation... Bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Ce sont là les raisons d'une fracture qui ne guérit pas et les signes incessants d'une région meurtrie par la violence qui appelle la violence et le désespoir. Un mur honteux, les colonisations, le traitement des prisonniers, le refus du dialogue, eh ben dis donc! Tu sais pas de l'antisionisme, enfin de l'antisémitisme, je lui demande ce que c'est ça, Manu. Fais gaffe quand même avant de le jacter, c'est de te souvenir au moins des fiches que t'avais il y a 8 ans. Tu ne fais pas en début d'Alzheimer quand même, pas à ton âge. Déjà que tu nous attaques un début de Parkinson là, avec ta patte qui tremble, les deux ensemble ça ferait beaucoup pour un futur présidentiable. Alors pour tous ceux qui veulent se changer les idées, bah, je peux pas vous inviter au dîner du CRIF. Par contre je peux vous inviter au Pas Content Comedy Club, la prochaine édition, la 8e. La description est dans le lien de la vidéo, vous avez un lien billet réduit pour réserver. Il y aura plein d'humoristes, on va se changer les idées, on va se marrer. Puis c'est pas 900 euros le couvert, c'est 2 euros l'entrée. Alors je compte sur vous vendredi soir. Et puis je vous retrouve demain bah, pour un nouveau vlog. En vous remerciant, bonsoir. What, 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 what,